Juste pour question du temps, je ne vais pas parler beaucoup parce que suffisamment de temps. Je vous donne un rendez-vous pour une autre conférence. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite intervention de 10 ou 15 minutes. Notre sujet, c'est bien sûr en anglais, c'est « your goals properly and effectively ». C'est comment déterminer vos objectifs d'une manière qui est claire et comment vivre votre. Mais avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que chacun de nous, il devient ce qu'il pense la plupart du temps. Chacun de nous devient ce qu'il pense la plupart du temps. Ce que vous pensez la plupart du temps, c'est ça ce que vous allez devenir après. Donc, méfiez-vous. Je vous conseille de ne pas penser de manière négative. Vous devez penser de manière positive la plupart du temps. Et si vous arrivez de penser d'une manière positive tout le temps, ça sera beaucoup plus, ça sera beaucoup plus mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que les personnes personnes qui pensent tout le temps à leurs objectifs. Et ils sont des personnes qui pensent d'une manière positive la plupart du temps. Pourquoi je dis ça? Parce que les leaders, les managers, les personnes qui ont réussi dans leur vie, ils ont une pratique, ils ont un secret pour la réussite. Ce secret, c'est qu'ils ne pensent pas comme nous. Ils pensent toujours en utilisant un stylo et une feuille. Alors que vous devez apprendre l'habitude d'utiliser un stylo et une feuille en pensant. Mais pour réussir, d'abord, je dois poser la question, est-ce que j'ai un objectif? Quelqu'un qui n'a pas d'objectif dans la vie, est-ce qu'il va réussir sûrement? Alors, je dois d'abord déterminer mon objectif. Et il y a des étapes à suivre, à adopter pour la réalisation de cet objectif. On va parler de ces étapes et après on termine l'intervention. Bon, la première des choses, c'est qu'on a dit ces personnes, toujours ils écrivent leurs objectifs dans une feuille. Alors, c'est un exercice, c'est mon exercice préféré que je pratique le plus à la maison et partout. Quand vous allez à la maison, prenez une feuille quand c'est là. Écrivez 10 objectifs. Et une fois j'écris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je prends la feuille. Je pose la question maintenant. Quel est l'objectif? Si je le réalise, je vais devenir une autre personne. Je vais avoir une autre vie, une vie meilleure, une vie pleine de succès. Alors là, je prends cet objectif-là. C'est l'objectif le plus important. Je prends cet objectif, je tourne la page tout de suite, je l'écris en haut de la page et j'écris toutes les choses, les moyens, les outils, les choses que je dois apprendre pour réaliser cet objectif. Et
mettre ces outils, ces choses que vous avez écrites dans un plan d'action. Parce que le plus important, c'est le plan d'action. Et l'étape numéro 5, c'est l'étape la plus importante, c'est que vous devez passer directement à l'action. La différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, c'est que le premier, il parle toujours. J'ai des objectifs, je parle avec mes amis de mes objectifs, je parle avec ma famille, je parle dans la rue, mais à la fin de temps, je ne fais rien. Ça, c'est la première.